www.dialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Obi Ronaldino, le King is back. Bolandara mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe, mission à www.congodialogue. Chers cadres et partenaires du système éducatif congolais, tout protocole confondu. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons vu des scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore, constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes en cours d'être identifiés. Concernant la vidéo pornographique, il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, qui sont 1. Tumba Kalengai, 2. Bante Kambemba, 3. Ole Elonga, 4. Kanza Diwabanza, 5. Luemba Brito. Et l'élève fille Kanyeba, de la première des humanités littéraires, ancienne 3e littéraire, du Collège Saint-Georges. Voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du Collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiens, en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les 8 articles en excluant définitivement du Collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés de procès verbal faisant foi. Je tiens à informer l'opinion publique que sur instruction de Son Excellence le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, que ces élèves inciviques et immoraux sont interdits d'être inscrits dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Si d'autres cas concernant d'autres élèves de notre école sont dénichés, nous ne tarderons pas à appliquer les mêmes dispositions. Quant à la vidéo des élèves danseurs et danseuses, comme je vous l'ai dit tantôt, les autorités de l'EPST vont livrer, une fois que les enquêtes prennent fin, les conclusions de leur travail et nous serons communiqués. Cependant, cette danse ayant été produite devant notre école, elle a une fois terni l'image du collège. Et nous voulons que les autorités, tant scolaires que judiciaires, mettent la main sur cette bande timorée, faite à Kinshasa le 7 septembre 2020. Je vous remercie. 2021. Faites à Kinshasa le 7 septembre 2021. Monsieur le ministre, vous avez personnellement suivi cette question de la vidéo pornographique des élèves publiée sur les réseaux sociaux depuis dimanche. Est-ce que vous êtes satisfait de la résolution ou de la sanction qui a été prise? Madame, je devrais me rassurer personnellement en faisant une descente sur les lieux. Vous le constatez bien, on est au collège Saint-Georges. C'est l'école qui est fréquentée par ces élèves qui ont été identifiés sur une vidéo, cette fois-là en qualité d'acteurs
pornographiques. Et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arriver ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement de cet établissement public scolaire. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des immoraux. Ils ont transformé les milieux scolaires en site hollywoodien de tournage de films, même pornographiques. Quand vous voyez la manière dont ils se sont livrés, vous comprenez que ces élèves sont très dangereux. Quel que soit leur âge, si ce sont des mineurs, je crois que la loi sur la protection de l'enfant, qui organise la protection sociale, pénale et juridique des enfants, s'en occupera parce qu'il y a aussi des aspects pénaux. Mais ici, nous venons de prendre des mesures disciplinaires, des mesures administratives telles que les prévoient nos textes et ils sont exclus. Pour le reste, dans le deuxième groupe de la vidéo, les enquêtes se poursuivent pour identifier encore ces élèves parce qu'ils doivent subir également la même rigueur de la loi. Les autres, c'est-à-dire tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous allons également saisir les autorités judiciaires pour qu'ils prennent en charge les aspects pénaux. Pour la simple raison que certaines scènes se sont déroulées dans certaines habitations. Il y a des gens qui ont offert à ces mineurs, à ces élèves, des locaux pour se livrer à ces scènes. Et d'autres se sont donné le plaisir de les filmer et de diffuser. Alors, on devra établir la responsabilité de tout un chacun, que ce soit les parents. Je crois que la justice a plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre que nous. Nous allons déposer le dossier en justice et les enquêtes vont se poursuivre pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Et pour les autres, nous continuons à les identifier au niveau de nos écoles et d'ici là, les sanctions seront également prises, ils seront identifiés, ils vous seront présentés. Donc voilà ce qui a été fait. Et nous devrions normalement frapper fort comme on l'a fait parce qu'on vient de nous signaler qu'il y a un cas pareil dans un autre établissement à Saint-Édouard et le chef d'établissement avait pris ses dispositions. Il y a même des parents qui se sont permis d'attraire en justice le chef d'établissement pour avoir exclu ses enfants avec la complicité de leurs parents. Et nous allons suivre de près ces cas et accompagner de manière à ce que les milieux scolaires soient totalement assainis. Quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour qu'il soit meublé de toutes les compétences morales, intellectuelles, pour qu'il soit capable de prendre en charge l'avenir de ce pays. Et c'est aujourd'hui que ça doit se passer. L'EPST, c'est la base, et donc nous serons intraitables face à ces cas d'immoralité. Deux messages. D'abord, quel est le message que vous adressez aux parents? Parce que c'est aussi une question de responsabilité, l'éducation depuis la maison, l'école vient en complément, mais également à tous ces élèves, vos enfants qui vous suivent. Bon, je ne peux pas me mettre ici pour commencer à rappeler les devoirs des parents envers leurs enfants. C'est connu. L'école fait ce qu'elle peut faire, mais dans chaque milieu social, dans chaque environnement, il y a des règles. Si l'enfant a échoué l'éducation dans la sphère familiale, mais ici à l'école, nous allons prendre toutes les dispositions pour les redresser. Mais si l'école n'est pas capable de rendre l'enfant moins dangereux ni meilleur, nous allons prendre les traitements qui s'imposent, les mettre même à la disposition de la suite parce qu'il devient dangereux pour tous les autres. Je sais qu'il y a des parents malgré l'immoralité, la gravité de ces faits, vous comprenez que l'instinct naturel serait de toujours prendre des faits cause de leurs enfants. Donc on n'en va pas entrer dans ce débat-là. Ici, nous avons pris les responsabilités qui s'imposent. Et même en droit, il y a la responsabilité civile des instituteurs à l'égard des élèves et nous nous sommes assumés sur
sur tous les plans, sur le plan administratif, pédagogique et même juridique. Les aspects judiciaires seront réglés par les instances judiciaires. Merci. Donc vous avez compris, nous sommes au collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. Des élèves sur les films pornographiques étaient donc, c'était pas des finalistes, je rappelle, parce que je vois qu'il y a une petite confusion dans les commentaires, ce sont pas des finalistes, ceux qui filment. Mais ceux qui dansent, oui, ce sont des finalistes. Mais ceux qui se filment en plein, voilà, ce sont des élèves de la 5e littéraire bien identifiée et de la 3e année littéraire. Donc la décision a été prise, ces élèves sont renvoyés définitivement et mesures données, envoyées dans tous les chefs des établissements, auprès des chefs des établissements pour qu'ils ne soient plus inscrits pour étudier. Voilà donc la décision qui a été prise par le chef de l'établissement en complicité en voilà. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.